Bon, mais bonjour à tous et bienvenue à cette 16e table de TEG. Donc, en l'occurrence, une table de reprise après des vacances qui ont permis de couper un peu avec la table, mais néanmoins, le groupe WhatsApp qui continue à tourner. Donc, TEG, tous entrepreneurs Guadeloupe. Bon, en l'occurrence, il y en a un certain nombre pour qui c'est la première table et d'autres qui sont avec nous depuis déjà quelques mois et d'ailleurs bientôt un an, parce que fin novembre, on fera l'anniversaire de TEG. Mais en l'occurrence, TEG, tous entrepreneurs Guadeloupe, c'est un club d'affaires. Donc le principe, c'est on est 950 chefs d'entreprise avec des SIRET actifs en Guadeloupe et on réseaute justement par une plateforme WhatsApp sur laquelle on peut poser des offres commerciales, mais aussi des besoins de façon qu'un de vos membres fasse du business, puisse vous proposer la solution à votre problème. Mais c'est aussi une table d'affaires, comme aujourd'hui, donc la 16e table d'affaires, où 42 chefs d'entreprise se réunissent pour prendre ensuite déjà l'apéro et ensuite, dans un second temps, le repas. Le repas, vous allez voir, vous allez tirer tout à l'heure un numéro. Ce numéro, ce sera votre placement à table. Comme ça, vous serez à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Et c'est souvent là qu'on fait les meilleures affaires, justement. Qui est directeur financier. Alors, on est venu en force aujourd'hui parce qu'évidemment, on va signer ce partenariat. Vous savez, Carenti est revenu maintenant depuis quelques mois. Évidemment, on commence à entendre un petit peu parler de nous. Tant mieux, c'est l'objectif. On a un confrère aussi qui est bien là, mais on essaye de prendre petit à petit des parts de marché par notre régularité, par notre excellence de travail. Et on y travaille. Tous nos avions, depuis qu'on a lancé, alors 90% de réussite au niveau de la régularité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui était important et qui était perdu depuis un petit moment chez Aranti. Donc on l'a rattrapé. Et puis évidemment, pour les entreprises, vous savez qu'on fait beaucoup d'offres, à commencer par les coupons. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas pour avoir des coupons. Si vous avez des déplacements réguliers à Saint-Martin ou à Fort-de-France, grâce aux coupons, vous avez un tarif fixe à 250 euros l'aller-retour, avec le bagage à 32 kilos, avec 12 kilos à main. Donc concrètement, pour des chantiers, etc., c'est plutôt intéressant. Voilà, beaucoup d'offres, mais surtout une régularité. Et puis, on a Saint-Barth. Donc là aussi, n'hésitez pas pour déplacements personnels, mais aussi des déplacements liés pour les entreprises. Je pense aux travaux du bâtiment. Il y a énormément de déplacements en ce moment. C'est la bonne saison pour faire les travaux. C'est le bon moyen pour remporter du business aussi sur place. Donc, n'hésitez pas. La Héranti, 3 vols par jour sur Saint-Barth. Et puis, Pointe-à-Pitre, la ligne Fort-de-France. Pointe-à-Pitre, Saint-Martin, deux allers-retours par jour. Et on va s'ouvrir sur d'autres îles très prochainement. Voilà, n'hésitez pas à venir nous parler, avec plaisir, n'hésitez pas à ouvrir. Merci. Bon, mais pour officialiser ce partenariat avec Air Antibes, on va signer la convention déjà. Et après, on va pouvoir tout simplement passer à table où vous allez pouvoir continuer à réseauter. Et je vous souhaite un bon appétit. Donc, on signe un partenariat aujourd'hui avec vous qui vous permet d'obtenir 15% de remise sur toutes vos réservations sur les vols d'Air Antilles. Donc n'hésitez pas, encore une fois, on va vous donner toute la procédure, hein, pour les réservations. N'hésitez pas, mais encore une fois, n'hésitez pas aussi pour vos entreprises, pour fixer vos budgets, de bien prendre des coupons. C'est aussi un bon moyen de les garder. Les coupons, c'est remboursable, échangeable, modulable, etc. Les no-show, etc. Donc pensez ça. Là, vous allez avoir la possibilité d'acheter des billets flex avec 15% de remise, inclus un bagage. Donc allez-y. N'hésitez pas. Et merci encore une fois à TEG de faire confiance à Air Antilles pour ce partenariat. Éric Labelle, je suis fabricant de. Nous sommes fabricants de matelas en Guadeloupe depuis 46 ans. 46 ans, fabricant de matelas sommier. C'est la deuxième fois que je viens ici, à cette table. Et effectivement, il y a une table qui est très agréable où c'est l'occasion, en toute liberté, surtout en toute franchise, de se présenter, de rencontrer des gens et des gens intéressants, des domaines très différents, très variés. Et voilà, très agréable, vraiment une opération à continuer et à approfondir. Voilà. Bonjour, je me présente Hélène Urbino-Clerville, je suis avocate au barreau de Guadeloupe-Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ce qui signifie que je travaille sur les 3 départements. Mes activités dominantes sont essentiellement le droit des affaires et le droit immobilier. Je suis très heureuse de participer pour la première fois à ce déjeuner du TEG. J'apprécie beaucoup la convivialité, l'organisation. Merci. Ça marche. Bonjour à tous. Franck Albert, je représente Antiane, donc société implantée en Guadeloupe, Martinique
à La Réunion et à Paris, qui s'occupe de l'infogérance en termes d'informatique pour les entreprises, donc notamment les PME, PMI et grands groupes. Donc c'est ma première TEG physique dans le cadre d'un repas. J'en ai fait une première dans le cadre d'un apéritif qui avait été très intéressant et très enrichissant. Voilà, bon appétit à tous. Salut, alors mon nom est Liaka, merci pour votre attention et votre silence. J'accompagne les gens à approfondir l'intimité authentique. Alors je vais être complètement authentique avec vous. Depuis tout à l'heure, je freak juste de parler avec vous parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à un public. Alors là, si vous ne me voyez pas trembler, c'est parce que je fais tout ce que je peux pour faire comme si. Ok, okay, donc j'aimerais savoir déjà si vous êtes tous dynamiques aujourd'hui. Je vais vous poser juste quelques questions pour qu'on commence rapidement avant de vous expliquer qu'est-ce que je fais. Donc, j'aimerais savoir qui a envie de faire plus d'argent ici, à main levée. Oh, ok, ok. Un peu plus que la moitié. Un peu plus que la moitié, ça va. Il y en a qui sont timides aussi, comme moi. Qui est en couple? On accélère ça, on fait ça rapidement. Qui est en couple? All right. Qui est célibataire? Ah, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. Une autre question au piège. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler, au moins dans les films, de Tantra? Oh, un, deux, trois, quelques-uns, ouais, quand même, 4-5, de BDSM. Oh my God, pourquoi on nous parle de ça ici, maintenant? Ok, donc, vite fait, pour ceux qui ne savent pas, et votre attention, s'il vous plaît, on va juste faire la présentation. Ouais, je vois que ça suscite déjà beaucoup de questionnements. Ça suscite déjà beaucoup de questionnements. Donc, le tantra et le BDSM, c'est un moyen, de façon intime, en fait, de pouvoir se connaître soi-même, apprendre à approfondir la connaissance de soi et du partenaire. Ça peut être fait de plusieurs façons. Il y a beaucoup de distorsions aussi qui sont vues dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour apporter une nouvelle vision de ce domaine. Donc, je suis coach intime en intimité authentique et j'accompagne les personnes en éveil de conscience, donc ceux qui ont vécu des resets, comme on disait, des shifts et qui sont en recherche de développement personnel à approfondir leur intimité. Et je fais le lien aussi entre l'argent, le domaine professionnel et le domaine personnel. Je propose aux chefs d'entreprise de les mettre en relation avec des freelances ou des cadres en recherche d'emploi pour pallier un surcroît d'activité ou tout simplement pour réaliser une mission. Bon, mais merci à ETV pour ce reportage. Super table, 16e table de TEG qui va bientôt avoir un an. Vous pouvez déjà bloquer la date dans vos agendas. 21 novembre, grosse soirée TEG. On a 950 membres à ce jour, très bientôt 1000. Et on espère bien recevoir un très 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 gros morceau de ces 1000 membres à ce jour à notre prochain anniversaire. Merci. Bonjour, alors moi c'est Sandra Papillon, je suis la responsable de Papillon Consulting et Services. Je suis consultante et je propose mes prestations en assistance administrative, mais je suis également formatrice certifiée en bien-être au travail et QVCT. Aujourd'hui je participe à la TEG et c'est vraiment une très belle expérience, c'est l'occasion de rencontrer du monde, d'échanger, d'apprendre et puis ma foi de faire des affaires. Bonjour, je suis Annick Madel Clamy de Zestia Caraïbes. J'accompagne les futurs acquéreurs dans leur projet d'achat immobilier, donc depuis l'analyse financière jusqu'à la signature de l'acte authentique avec le notaire, et donc durant toutes les étapes de cette acquisition. Donc je vais chercher les meilleures conditions financières, je vais chercher le bien et je vais accompagner chez le notaire. Donc je fais partie du TEG depuis peut-être 4 ou 6 mois. Et je trouve ces moments d'échange et de convivialité extrêmement intéressants et satisfaisants justement pour connaître de nouveaux chefs d'entreprise, créer de nouveaux liens et puis entreprendre, c'est pas évident seul. Du coup, ça permet de partager des expériences aussi et de s'enrichir. Bien le bonjour, moi c'est Mathias Jacques, je travaille dans la société JS8 Logex. Alors mon secteur d'activité est le transport transitaire. Je m'occupe de récupérer votre marchandise partout en Europe, mais aussi en Chine. On a la possibilité de faire soit du groupage ou soit du conteneur complet, surtout au départ de la Chine. En départ de l'Europe, on est en 100% groupage ou du conteneur complet. Au niveau de la table TEG, c'est intéressant parce que ça nous permet de rencontrer pas mal de monde, du réseautage et pouvoir continuer à faire plus d'argent.
Bonjour, alors moi c'est Danaï Didelet, assistante commerciale chez ES2I, et donc c'est un plaisir de partager la table du TEG, un rendez-vous qu'on aura désormais tous les jeudis. Voilà. Je suis Laurence Gémet, coach en développement personnel certifié, donc je suis la fondatrice eh bien, du courant Je m'aime et alors, et je suis très très heureuse aujourd'hui d'être à la table TEG, une vraie première en Guadeloupe. Plus de 900 entrepreneurs sur un groupe pour faire du business, pour faire du réseautage. Et cette belle table, une fois par mois, où on peut rencontrer de façon physique et échanger avec les entrepreneurs guadeloupéens. Alors, merci à TEG, merci à ETV.